Coucou les petits loulous! Ah, mais il y a tout le monde, j'allais dire ce matin. Il y a tout le monde ce matin. Salut Birout! Salut Chino! Dieu vomi! Salut Monsieur Arf! Oh Red Bear! Salut Red Bear! Merci Grey Fox Liquid pour ton abonnement et ton soutien inconsidéré à la cause de Presse Non-Stop. Effectivement, Chino, tout est relatif, puisque c'est forcément le matin pour quelqu'un sur cette Terre, ou dans un multiverse. Hey, salut Ravan. Deus, bon, voilà, bon, les larmes. Ok, alors là, bonjour à tous. Comment ça va? Comment vous allez bien? On est pas mal là-dedans. Je vais peut-être le garder un petit peu. Mais non, je déconne, c'était moi. Avant de commencer Dishonored... Avant de commencer Dishonored, je veux pas faire le mec un peu chiant, machin. Nous sommes le 9 novembre. Et le 9 novembre, il y a une trentaine d'années, il s'est passé ça. Vous voyez? Des gens qu'on avait séparés, on ne savait pas pourquoi, on leur a dit, c'est bon, vous pouvez vous remettre ensemble. Et ils ont tout pété le mur. 32 ans. Oh mais écoute, ah oui bah Red Bear, va pas te faire spoiler, ou alors tu regardes le stream sans le son. Non, tu gardes le son, mais tu regardes pas l'image. Le dernier concert des Béruriers Noirs, ouais ça peut ressembler à ça aussi. Ouais. Ça coïncide. Black Valk, 10e mois d'abonnement, big up. Toi-même tu sais, je vais enlever ça parce qu'on est un peu chaud quand même. Puis on est à Montargis Sud, donc il fait moins froid que Montargis Nord ici. On a reçu un cadeau tout à l'heure, alors je me rappelle plus de qui, mais je vais le retrouver par un prompt renfort de mon Discord. Tac. Clem Touquet, je pense qu'il n'est pas là Clem Touquet parce qu'il nous regarde surtout le soir. Clem Touquet a envoyé, je vais vous montrer ça juste viteuf, hein. Clem Touquet a envoyé pour le juge du tribunal des bureaux, que vous connaissez tous, il a envoyé, s'il vous plaît, une reproduction au 1/32e de son fucking bureau. Le mec, il a envoyé son bureau en figurine. Avec une figurine d'un canard. Et on a mis une tasse pour la banana scale à côté. Ça, alors ça, on s'attend à des trucs débiles hein, chez Canard PC. Ça, on s'y attendait pas. Donc j'espère que Agbu fera une audience avec ce bureau IRL. Fantastique. Attendez, parce que j'ai pas que ça comme bonne nouvelle. Promo obligatoire, ce mois-ci, dans vos kiosques. Canard PC avec Far Cry 6 en couverture. Excellent opus. Précipitez-vous si vous ne l'avez pas déjà lu, c'est génial. Et puis cette nouvelle conduite de la direction artistique par Toto, on n'a que des bons retours, donc c'est cool. Huit entrées dans la boutique aujourd'hui. La magnifique et absolument pas pratique tasse en fer Pro Gamer, dont celle dont je ne me sépare pas, évidemment. Pro Gamer, c'était un peu fait pour moi. J'ai ouï dire tout à l'heure qu'il y avait peut-être en gestation une tasse Pro Gameuse. Parce que on s'est dit, pourquoi Pro Gamer? Pourquoi pas Pro Gameuse? Excellente question. Faisons des tasses pro gamer. Et nous avons la tasse. Ah oui, alors celle-là, elle est absolument pas pratique. Pourquoi? Parce qu'elle passe pas au micro-ondes. Et quand vous mettez un truc chaud dedans, c'est super chaud, parce que c'est du fer. Et le fer, c'est... Bah, ça conduit très bien la chaleur. Mais on n'est pas à ça près, parce que rappelez-vous, on avait même fait une montre avec une seule aiguille, qui n'était pas étanche, rappelez-vous. Et qu'il fallait remonter à la main. Eh oui. Deuxième entrée dans la boutique, la tasse cœur sur vous, avec votre émoticône préféré. Si c'est votre émoticône préféré,
mettez cette émoticône dans le chat maintenant. Voilà, donc ça, ça va arriver aussi. C'est que 122 euros. Hein. Un cadeau. On s'est dit pour Noël. Merci à Raven. Merci. Il y en a un qui rentre dans ma connerie. Et que sont devenus les pins, Enjolras ? Entrez dans la boutique cet après-midi de 6 pins, dont l'emblématique Canard PC. Regardez-moi cette beauté. Regardez. Et ça brille de mille feux. C'est en métal. Hein. Et c'est un pack que vous achetez, parce que vous ne pouvez pas les acheter à l'unité. C'est un pack de 6 pins, tous plus beaux les uns que les autres, avec les minqueurs, le pro gamer, le canard PC, les étoiles, enfin bref. Et tout ça, c'est absolument pas calculé pour Noël. Hein. Ne nous prêtez pas des intentions, s'il vous plaît. Non mais... Eh ouais, 1989, la chute du mur de Berlin. Pff, il y en avait parmi vous qui étaient même pas nés. Ouais. Mais non, on n'arrête pas le mag. C'est grâce au mag qu'on fait toutes ces conneries autour. Évidemment. Raven, et tu le sais. Toi-même, tu le sais. Comme ils disent les Jones. Ah bah tiens, une petite mise à jour. Non, Dieu vomit, ça arrive cet après-midi. Donc c'est normal que tu les vois pas. Mais pour être sûr, vous pouvez y aller demain matin, comme ça, ça sera tranquille, Emile. Fratus. Il y a de plus en plus de jeunes qui suivent Agbou. C'est marrant, il y a une espèce de jeunification du public d'Agbou. Agbou et Isual, évidemment, parce que Isual a 19 ans, donc c'est normal qu'il attire les jeunes. Alors, c'est quoi mon compte? Ah oui, c'est ça. Je me souviens avec émotion d'avoir suivi la chute du mur. Mais ouais, Raven, moi ça m'a vraiment fait bizarre. En plus, j'avais un oncle qui habitait en RDA. Et bah on l'a pas vu. Enfin, le mur, je crois, était construit à ma naissance. 69, c'est ça le mur ? 60... Qui pourrait vérifier le mur ? 67 ? Je me rappelle plus. Construction du mur. Quelqu'un peut regarder sur... Parce que j'ai un ordinateur devant moi, mais je fais autre chose. J'ouvre Steam. Donc 61. Mon oncle se fait enfermer en ex-RDA. Et il a pu sortir de ce pays en 1990. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Pourquoi est-ce que j'ai des pubs pour Football Manager? Il doit y avoir des cookies sur ce PC là. Il doit se dire, oh là là, il y a des gens qui aiment bien Football Manager à foutre la pub pour l'opus de 2022. Mais ce n'est pas moi. C'est le coach Yvan. Coach Yvan, 9e. 9e, fin du championnat, 9e sur 20. J'ai appris hier hein, qu'il y avait 20 équipes en Ligue 1 de football. Puisque en fait, je m'en moque un peu du football. Donc, c'est une information qui ne me... Est-ce qu'on entend le jeu? Moi, je ne l'ai pas entendu. Ah si. Est-ce que c'est assez... Est-ce que c'est pas trop fort pour vous? On va le mettre là. Là, il y a du son. Le coach, ouais, c'est l'amour du décrassage, Yvan Godet. C'est vrai, Beyrouth. Agbou, c'est un peu comme un père pour les passe-câbles, les pots de peinture blanche, parce qu'il faut pas... La bonne couleur pour Agbou, c'est blanc. Ouais. C'est pas trop fort, Dieu vomit. Est-ce que c'est assez fort par rapport à ma voix, par exemple? Est-ce qu'il faut que j'en monte un ou que j'en baisse un? Est-ce qu'il y a un jeu sur la chute du mur de Berlin, Mitre? Bonjour à toi, Mitre. Aucune espèce d'idée. Ou alors, si je suis tombé dessus, j'ai oublié. Le père Pascal. Est-ce que j'ai mis mon casque? Il est là. Oui, il y a un gris légèrement texturé. Salut, Preps Boy, ça va? KOS. Casse-brique, le jeu sur la chute du mur de Berlin qui est sorti 20 ans avant la chute du mur de Berlin.
Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on en était. Si Oli est là, il va me dire « Eh, la scène, faut changer la scène dis... !» Ah, c'est pas mal ça. J'avais pas vu, mais il y a un mode noir et blanc. Est-ce qu'on y va? Bah ouais, on va continuer la campagne. Ah oui, je m'en rappelle, on avait terminé un... On avait terminé... Ouais, parce que là, c'est tout bas, en fait. Attends. Moi, je vais me baisser un peu. Est-ce que là, c'est mieux? Adelite, est-ce que c'est mieux le son du jeu? Attends, on va rentrer. Parce que là, il y a juste une musique... Donc, on est arrivé en bateau à Karnaca, qui est une île au sud de Dunwall. Est-ce que quelqu'un a vu que j'avais mis mon super joli t-shirt de la brasserie de lettres, qui sont des amis de Canard PC, qui ont le bon goût de brasser de la bière? Et notamment, il y a quelques années, qui avait brassé la bière de Canard PC, qui s'appelait... La tête dans le fût. Et hop. Où est-ce que je vais trouver tout cet argent? Trouver la boutique clandestine. Alors c'est très joli, c'est pas du tout ambiance Dunwall. Hein. Là c'est plutôt ambiance mer Adriatique où il y a des bâtiments blancs. Des arbres jolis. Bonjour Andem, ça va? Ah, les larmes. Toi, tu sais parler aux hommes. Ah bah il y a Jean-Jean qui est là. Et c'est vrai que c'est lui qui nous a emmenés ici. J'ai cru qu'on était venu sur un gros bateau. Oui, on est venu sur un gros bateau. C'est Adermir là-bas, au loin. Où ça? Vers la gare d'Adermir. Ok, bon, on y va alors. Parce que moi, je regardais un peu à droite, à gauche. Que de poissons. Bienvenue à Karnaca, étranger. Bah écoute, merci. Ça fait très... Non, à Marseille, ils te disent pas bienvenue à Marseille. Ils te piquent ton larfeuille. Humour, humour. S'il y a des Marseillais dans la pièce, humour. C'est peut-être un de ces importateurs qui viennent de se monter à Morlaix. On va lui laisser un jour ou deux. S'il est toujours là, je demanderai à un ami de la Grande Garde d'envoyer... Eh, tu coupes du bois? Ça laissera le temps à l'équipage de charger les marchandises de fond. Vous allez les attendre. On vous a à l'œil, tenez-vous à carreau. Bon, lui, on peut pas lui parler. Parler aux pêcheurs. Karnaca est le joyau de Cerconos, paraît-il. Mais je préfère Bastilian. Ah, il préfère Bastilian. Ça, c'est peut-être une info. Ah, bah si, on a. Si, si, on va aller manger, du coup. Les mouches de sang. J'explore un petit peu, hein. Je suis désolé si je fais pas le. Oh, une photographe! On lui parle? Peut-être un peu plus. Peut-être un peu à droite. La lumière est parfaite. Ouais. Mais ce soleil m'éblouit. Tous les photographes font ça. L'océan qui scintille. Oh là là. Eh ben moi je préfère la vue de l'autre côté, c'est un peu plus texturé, tu vois. Oh. Regardez ça. Ça fait un peu Grèce, Monténégro quand même, non? Il y a de la montagne quand même. Que le cadrage est bon, j'ai des taches devant les yeux. Ah, un télo, il a speedrunné le 1 ou le 2. Croatie, c'est ça. Bah ouais, bah, je disais. Salut Oscar, ça va? Ouvrier. Charger les caisses, c'est toujours mieux que d'enfumer des mouches de sang dans les quartiers résidentiels. Ça, plus jamais. Oh, ok. Il speedrun le 2. Ah, j'aimerais bien voir ça. J'ai même eu la chance de boire une cuvée de la brasserie de lettres en association de Get Radical. Ah oui. Ah bah oui, la stout au poivre, je la connais. On dit bonjour à Mizuki qui vient de s'abonner à la chaîne.
Donc il vient nous rejoindre sans s'abonner, mais nous rejoindre en tout cas. Il nous suit. Bienvenue. Et Miladze aussi, 20 mois d'abonnement. Chapeau, 20 mois. Notre vie ici, jusqu'à ce que la grande garde se mette à extorquer tout le monde. Est-ce que... C'est quoi nos pouvoirs ? Longue portée. Je me sens pas en sécurité. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? Ah. Bon là, c'était peut-être pas le super endroit pour... C'est pas vrai. Ah ben dis-moi, c'est pas très épais ? Ah mais non, c'est un panneau JC2 co, ça. C'est quand même un peu cracra, alors tout à l'égout à l'extérieur. Hein. Il paraît qu'un individu suspect rôde dans le coin. Ah ouais ? Comme si j'avais pas assez de problèmes. Je vous connais pas. Vous êtes en vacances à Karnaca ? Vous avez mal choisi votre moment. On va ranger tout ça, histoire de pas affoler le chaland. L'ancienne impératrice est en fuite. Ça va peut-être nous donner des indices, ça. Est-ce que j'ai monté le... Ouais, j'ai monté un peu. Mais attends, hop, je te remonte encore un peu. La grande garde sarkozienne offre une récompense pour toute information menant à son arrestation et avertit que la fugitive sera abattue à vue. Bah c'est moi. Le duc Abel a récemment déclaré que l'ancienne impératrice aurait droit à un procès équitable. Un peu comme les céréales que j'ai achetées hier, si elle se rendait pacifiquement et dans les plus brefs délais. Ça, j'y crois moyen quand même. Salut Toine, ça va ? Alors attends, j'allais dire est-ce que ça va mieux le son du jeu, mais là, il n'y a rien. Donc la garde sarkozienne est sûre de trousse. Ah, il faut s'équiper du cœur. Répugnante cette année. Qu'est-ce que ça sera ensuite ? Je me demande ce que c'est que les mouches de sang parce que ça doit forcément. Verre à whisky, on s'en fout. Je bois pas trop de whisky. Ah, de la gelée d'anguille. Ça, on prend ça. Avec un peu de pain. Et voilà. Ah, voilà. Santé. Je sais pas qui vous êtes, mais j'ai besoin de ce boulot pour vivre. Alors faites pas de bêtises. Dis donc, les macros ici sont très respectables. Hein. La vache. Boutique clandestine, c'est là où on va dépenser notre or ou pas ? De nouvelles restrictions ont été mises en place en réponse aux assassinats. Perpétrés au nom de l'impératrice déchue, Emily Caldwin, par la main de l'ancien protecteur royal, Campo Attali. La grande garde sarkozienne est autorisée. La grande garde sarkozienne. Ruine 77 mètres. Alors, je lui file 5 pièces. C'est gentil, merci. T'as pas une info pour moi ? Passer de l'autre côté de ce portail foudroyant. Il paraît qu'on peut traverser cet appartement infesté de mouches de sang. Ça permet d'éviter le poste de contrôle de la grande garde. Et il est où ton appartement avec les mouches de sang ? Merci l'ami. Voilà, plein de trucs qu'on voit là avec le cœur. 80 mètres, 36 mètres, 124 mètres. Oh là 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 là, il y en a partout. Mais j'ai pensé aussi, on a la rune 77.
On passe par où? On passe par là-haut? Ça, c'est quoi? Il n'y a rien à récupérer là. Clandestin. Qui dit contrebande dit armes et munitions. Ah mais là faut ouvrir la grille là, Denis. Comment ce qu'on fait pour ouvrir la grille? Équipement ou amélioration? Bon, équipement parce que déjà on est à poil. Vous avez 10 sur 10. Ah bah non, on n'est pas du tout à poil. J'ai besoin de faire la sieste. Donc là, on peut pas l'acheter. Hein. Et non. Salut, Warfon. Les nouvelles sont mauvaises à ce qu'on dit. Il devrait faire comme moi, je ne lis jamais le journal. Salut, Mr. Bungle 2016. Bah écoute, depuis l'autre jour, je vais très bien. Hier, j'allais très 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 bien. Aujourd'hui, j'ai très bien. Et je vous dirai un truc prochainement, mais je crois dans un ou deux streams. Mais j'ai accompli un truc depuis la rentrée, je suis pas peu fier. Je comprends mieux le conflit pour les zones de pêche, vu la taille des poissons. Ouais. Ah, vous voulez des plans d'armes plus puissantes? C'est quoi ça? Carreau d'arbalète, munitions pour arbalète. Donc ça. Là. Alors attends, arbalète, on a combien nous? On a 1067. Précision. Précision, stabilité. Portée améliorée. Vitesse de rechargement. On prend quoi? Ouais, vas-y. De toute façon, faut dépenser sa thune, hein. On prend la portée ou la précision? La portée. Parce que vu qu'on joue en facile, la précision, on l'a déjà. Bon, là, on est un petit peu piou-piou encore. On n'a pas trop de... D'accord. Comment est-ce que je fais pour rentrer? Cash only, ouais. Comment est-ce que je fais pour rentrer dans cette boutique pour lui piquer le cœur, là? Alors, on voit bien qu'avec le cœur, me dit-il. Donc ça, on est d'accord, on peut pas le prendre, hein. Ok, donc fallait pas faire ça. Si le mec est là, c'est qu'on peut peut-être rentrer. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Moi, c'est Mindy Blanchard. Salut. Vous, vous avez la tête de quelqu'un qui se moque des barrières et des interdits. Vous voulez me donner un coup de main? À charge de revanche. Oh, t'as des tatouages en plus. Je dois aller à l'Institut Adarmir. Est-ce que c'est dans vos cordes? Ouais. Hey. Je peux vous être utile. On va avoir un partenaire. Je cherche encore et je vous file un coup de main. Je vous rassure, il est déjà mort. Un corps? Bizarre. Où ça? Les superviseurs le gardent dans leur avant-poste. Ils croient que c'était une sorte de sorcière. J'ai mes raisons de vouloir le récupérer. Prenez-le discrètement. Et rejoignez-moi dans le vieux sous-sol du chirurgien-dentiste. What? Je vais y réfléchir. Mais d'abord, je vais récupérer mon cœur. La clé de la boutique. Merde. C'est peut-être elle qui a la clé de la boutique, non? C'est ça?
sang. Je suis entré. N'oubliez pas d'avancer lentement et vous approchez pas des nids. Destruction des nids de mouches de sang. Il faut être sacrément courageux ou désespéré pour accepter ce boulot. On avait des équipes de fumigation avant, mais les infestations de mouches de sang ont empiré et le duc a interrompu notre financement. On a donc détruit les nids à la main. Voilà ce qu'il faut faire. Si tu dois passer vers un essaim ou un nid, reste le plus loin possible. Et déplace-toi lentement. Attention, il va y avoir du fufu là. Quand les mouches sont calmes, tout va bien. S'ils se mettent à voler et à briller, c'est mauvais signe. Petit 3, si tu te fais attaquer, fiche le camp ou bats-toi, écrase les mouches ou brûle-les. Pareil pour les nids. Brûle-les, on n'a rien pour brûler. Les mouches reviendront tant qu'il restera un nid pour cette nuée. C'est à peu près tout, je suis sûr que ça va bien se passer. C'est sympathique. Non, on n'a pas vu de mouche de sang encore, Dieu vomi. Mais apparemment, c'est... Ouah. C'est un petit gameplay... En même temps, si je me mets en super saut élastique. Ça, c'est infesté. Doucement. Ne pas s'approcher des nids, éviter le venin et les œufs de mouche de sang qui cherchent un hôte. Donc c'est ça les essaims. Bon, okay. Eh, c'est pas des mouches de sang, c'est des putains de pigeons les trucs. Bon, en même temps, solution d'Adermir. Je ne sais pas ce que c'est. Rhum inflammable. Ah! Alors voilà, ça on aime bien. Alcool fort inflammable. Dis donc, c'est un peu facile leur truc, là, non? Carotte. Non. Pomme de terre. Non. Est-ce que vous savez que Parmentier, qui a ramené la pomme de terre d'Amérique du Sud, je crois que c'était le Pérou, Pérou ou Bolivie, je ne me rappelle plus, est enterré au Père Lachaise. Le Père Lachaise. Ah, ambre rouge. 25 pièces. 25 piastres. Il est enterré au Père Lachaise. Et régulièrement, il y a des gens qui viennent mettre des pommes de terre. Achille Parmentier. C'est pas un gâchis Parmentier. C'est en forme, c'est bien. Ah, donc on peut les niaquer à l'épée aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Ah, c'est moi qui fais tomber une poubelle. Ok, d'accord. Donc là, il faut prendre une autre bouteille. Ah. Caisse enregistreuse. Il va y avoir trop... Il n'y a rien dedans. Oh putain, l'arnaque. On va prendre... vin de figue de Rivera. Ça, c'est pas inflammable. Il n'y avait pas des trucs à récupérer ici, genre pièce de 2. Ah bah si, on va prendre l'argent. Parce qu'on aime bien l'argent ici. Ah merde, là-bas il y a un nid. Ok. Pas de fufu. Donc on va pas y aller. Oh putain, il y a un autre nid là-haut. Je suis sûr qu'ils vont nous emmener dans une situation où on n'aura pas le choix. Genre on devrait se faire attaquer par des mouches de sang. Et genre, bah maintenant t'es dans la merde. Alors s'ils me filent de...
des trucs inflammables pour niaquer toutes les mouches à chaque fois, ça va être... On va en prendre une autre, hein. Là-bas, là-bas. Il n'y a pas une autre? Ah si. On va niaquer le nid d'en bas. Corps sans vie. Fouillé. 30 pièces. Warning. Bloodfly infestation. Ok, d'accord. Donc du coup, là, on est plutôt bien. Oh merde, il y a un autre nid là. Fufu. Ah, c'est con, il y a des trucs à récupérer là-bas. J'ai niaqué ma bouteille. J'ai fait l'andouille en fait. Carreau incendiaire. Bah, dis donc. Ça, c'est du level design pour les feignants. Hein. Genre, oh, il me faudrait un truc pour brûler le truc. Bouge pas, Coco. Trop fastoche. Est-ce que le son du jeu est bon maintenant là? Huile de baleine. Élixir de santé. Le charme d'os. Ah ouais! On avait un petit peu arrêté de chercher des trucs avec notre cœur là. Bon, on n'a toujours pas vu de clé. Hein. Est-ce que quelqu'un sait où c'est la clé pour rentrer dans la boutique de Monsieur Schmutz? Personne? N'oublie pas de dépenser tes points de pouvoir. Ah oui, mes points de pouvoir. Attends, c'est quoi? C'est J. Note. Objectif. Non. Mes points de pouvoir. J'ai 3 runes. Ah, mais si, je peux en dépenser du coup. Ça, c'est quoi? Clone d'ombre. Faites apparaître une ombre pour attirer les ennemis. Vision des ténèbres. Ouais. Ombre errante. Fascination permet d'envoûter des humains et les molosses. Ça me rappelle une ex. C'est un réservoir d'huile de baleine qu'il faut faire sauter contre le mur du fond. Lier des humains pour les tuer ou les neutraliser. Pas très pipou ça. Qu'est-ce qu'on prend comme pouvoir? Ou est-ce qu'on prend une amélioration? Lancer des objets plus loin. Augmenter votre santé et votre résistance. Ah non, c'est pas qu'il y a des... Qu'est-ce qu'on prend? Le 2 en 1, ça a l'air rigolo. C'est quoi le 2 en 1? Soif de sang, déclencher de puissants coups fatals au corps à corps grâce à l'adrénaline accumulée en combat. Ça, on l'avait pris dans... C'est quoi le 2 en 1? Mitre. Création de charme d'os. Créer vos propres charmes d'os uniques avec un risque de corruption. Alors là, c'est plus vraiment un blink, c'est plutôt des super sauts, là. Ça ressemble plutôt à un grappin, tu vois.
Plus de blink. Ah oui, plus de blink. Ah mais oui, on peut. Alors attends, longue portée. Il y a pour attirer les objets. Le temps ralentit brièvement quand vous visez avec longue portée en tombant. Attirer des objets à vous et attraper-les au vol, y compris les cadavres et les corps inconscients. Voilà, attendez, parce que là, ça c'est dans. Ça s'appelle pas le blink, mais. Le meilleur pouvoir c'est Domino. Mais c'est quoi Domino? C'est la 4. Bah, oui, mais donne-moi des pouvoirs que je peux acheter. C'est celle-là, là. Ombre mortelle. La chaîne, me dit-on. Lier des humains pour les tuer et les neutraliser. D'accord, mais je peux pas l'acheter. J'ai que 4, j'ai que 3 runes, il en faut 4. Pas assez de runes. Bon, écoutez, on va dire qu'on n'a pas assez de runes pour faire ce qu'on veut faire là maintenant. Notre espacing. Alors ça, chez Canard PC, ça n'existe pas ça. Quand tu nous dis qu'on peut pas y aller. Ah là. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer ici? Ça, c'est bon. Ça, c'est quoi? Ah, c'est des cartouches. Mais on est plein, je crois, c'est ça? Oui. Ça aussi, il faudrait qu'on y passe, agrandir nos... corps sans vie. Pistolet. On a déjà un pistolet, hein? Ah non, on a des cartouches, mais pas de pistolet. Vous ne pouvez pas transporter davantage de munitions. Donc... Bon, le jeu doit avoir raison. Hein. Tout le monde se tait. Il y en a en bas. Bon, ça c'est plutôt efficace. Hein. On va pas se le cacher. Je sais absolument pas ce qu'il faut récupérer ici. Je sais qu'il nous faut une clé pour rentrer dans les... pour rentrer dans la boutique. Même si on me dit... Ok. Il n'y a pas beaucoup de loot ici. Hein. Il y avait plus de loot en ville. Ah, c'était là le no trespassing. Eh oui. Ça fait un peu peur quand même, hein. Il y en a un là-haut. Et j'ai plus que deux carreaux. Clé de la boutique clandestine. Bon, là, il y a une mouche qui est coincée quelque part, là. Je sais pas où, ça fait broum broum, mais... Note d'expérience sur les mouches de sang. Premier jour, mon projet a pu commencer plus tôt que prévu. Hier soir, j'ai eu la chance de tomber sur la dépouille d'un molosse dans ma rue. D'après mes estimations, les mouches de sang ne l'avaient trouvé qu'un jour ou deux avant. J'ai donc pu en extraire des larves intactes que je garde au chaud.
sous un beau flanc de mouton. Une rune des soins. Attention, Birut, attention. Le tribunal des blagues de Daron va être invoqué, là. Deuxième jour, victoire. Deux de mes spécimens ont éclos pendant la nuit, bien plus tôt que je ne l'imaginais. Ils sont tous les deux actifs et s'agitent beaucoup quand je m'approche. Septième jour, je ne pensais pas ça possible, mais leur taille a presque quadruplé depuis le premier jour. Dixième jour, toujours pas de Nice, ce qui mine considérablement mes espoirs d'extraire de l'ambre rouge. Donc alors apparemment, ces bestioles, elles font de l'ambre rouge. Et moi, je n'ai plus qu'un seul carreau incendiaire. Ah, mais j'ai trouvé une bouteille inflammable. Il y avait un autre nid ici ou pas? Non. En revanche, je suis sûr qu'il y a un autre nid là-haut. Là. On va se mettre en fufu. Ah, on peut plus passer là, c'est ça? Là, on peut pas passer. Merde. Ah, comme un con, je me suis trompé de bouton. Ah non, je me suis pas trompé de bouton, je voulais utiliser mon épée, mais j'avais une bouteille dans la main. Et maintenant, j'en ai plus. Ah si, là. Denis, calme-toi. Bah, allez, là, alors, attendez, ça, on va le poser délicatement. Oh merde, on peut pas poser, en fait, quand on le prend. Carreau anesthésie, on s'en fout. Il en faut des carreaux cinglants. C'est quoi les carreaux cinglants? T'as jamais fini le 1 quoi, Dieu vomi? Le Dishonored 1? Le Vandale. Jean-Claude Vandale. On peut pas allumer la douche. Pourquoi est-ce qu'on peut venir ici alors qu'il n'y a pas de... C'est la fin de l'aventure de cette pièce là ? Enfin, de ce bâtiment. Est-ce qu'il va y avoir des... Est-ce que là maintenant on peut passer voir ce qui se passe en bas? Quelle indignité de quoi? Comment il... Ouais, j'ai fait le tour. C'était pas pour moi. Trop facile. J'avais l'impression de regarder des... là, ça va à peu près. Alors c'est un peu comme les rats, hein. T'as un coup d'épée, on en tue 3 ou 4. Alors que va tuer des mouches avec une épée En plus, là, j'ai risqué ma vie et il n'y avait rien à faire. Même pas un passage secret, rien du tout. C'est un peu comme... C'est des rats qui volent. Y a rien à récupérer quand tu pètes ces trucs-là, là? Non, ça disparaît. Bon.
Et là, vous me dites, t'aurais dû t'équiper de ton cœur, parce qu'il y avait plein de trucs à récupérer, c'est ça? Carcophony, qu'est-ce que c'est? Double action. C'est pour les dents. C'est pour les gens qui picolent trop, c'est bien ça. Alors, des fruits, pour se reprendre un peu de vie. Oui, alors, bah, évidemment, alors là, je le fais pas, alors vous allez me dire, ah, mais il est où ton cœur? Le charme de 100 mètres, 64 mètres, 51, 57, 87, non, mais ils sont super loin surtout. 50, 53. Bon, nous on peut pas encore aller par ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a vraiment des mouches partout en fait. On est d'accord, nous on veut pas aller par là. Hein. La moitié de l'Empire est à mes trousses. Ouais, et ben. TKT bébé. Ça se régénère pas là, les trucs de mouches là. On peut y aller tranquille. C'est par où l'entrée? C'est par là. Hein. Ouais. La 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 la. Ah bah elle est partie. Ok, super. Rune à proximité, occupez-vous du cœur. Et moi je peux pas rouler comme ça avec le cœur en permanence quoi. Ah bah non mais je suis con. C'est dans la boutique. Crac. Eh bah ouais. Clé de la boutique clandestine. Qui c'est qui a trouvé la rune? C'est Wham. I want all. Merde. Spirale tranchante, ça on en a pas. Mine paralysante, grenade. Clé de la boutique clandestine. Il y a donc il y a une boutique clandestine en plus de... Ah bah non, c'est ce qui nous a permis d'ouvrir les schmutz là. Ok d'accord. Cash only, donc il y a du cash. Ah bah oui, il y a du cash. Merde, Denis. Mais... Ah là, faut vider. Faut bien viser, là. Bouteille de réactif. Oh là là, il vend pas que des armes de contrebande, le monsieur, là. Cartouche, on n'a pas la place. Grenade, on a la place. Grenade agrippante. Ça, je connais pas. L'huile de baleine, c'est 10 piastres. Et ça, c'est quoi? Fil de cuivre. 10 piastres aussi. Ça va être pratique quand on va vouloir se rééquiper, ça. Enfin, sans faire de hold-up comme on vient de faire là à l'instant. Alors au niveau des carreaux, on en est où? Carreau cinglant, je sais pas ce que c'est. Carreau, on en a 10 sur 10. Carreau incendiaire, on en a plus. Anesthésion, 5 sur 5. Ok. Attends. On va pas prendre ça tout de suite. On va plutôt prendre... On reste au longue portée. Ah, c'est le kangou. Mais non, c'est pas un meurtre. Puis de toute façon, le mec, il est... Il avait pas l'air en bonne santé. Il avait pas l'air en bonne santé déjà à la base. Je crois qu'on lui a rendu service. Et puis accessoirement, il avait une activité qui était
qui était délictueuse. Bien, une fois que ça c'est fait, eh ben, on se retape le chemin. À moins qu'on fasse le tour du bâtiment, là. On peut faire le tour du bâtiment. Oh, là, il y a des trucs à escalader, là. Ouais. Ah, mais attention, il y a peut-être des nids. Qui modère les modos? Qui modère les modos? Je sais pas. Non, Giovanni Corvo, il a pas les mêmes pouvoirs. Dans ma fenêtre, je vous vois une fois par semaine. Vous adossez au mur bleu pâle et ouvrez un livre. J'ai remarqué que vous aviez deux chapeaux, un en paille et l'autre en tissu, mais pas en même temps. Tous deux de couleur claire, vous évitez le soleil, une aubaine pour la blancheur de votre peau. Alors si cette personne n'est pas amoureuse, je m'appelle pas Denis Denis. Pourquoi est-ce qu'on peut rentrer dans ce machin alors que là il n'y a rien à faire? Il n'y a rien à faire dans cette pièce. Ah, si, il y a une autre. On est rentré par où? C'est là qu'elle était, le... Mistinguette? Oui, c'est là qu'elle était. D'accord, donc on aurait dû passer par là. Est-ce que là, on peut faire un bond quelque part? Bah non. Bon, on va y aller quand même, hein. J'aime beaucoup cette animation là. Alors là, on rencontre personne qui est hostile, hein. Même si, de toute évidence, on a une épée dans la main et on n'est pas là pour poser du parquet. Pourquoi vous mettez un masque ? Les mouches de sang sont pas si difficiles à éviter. Marchez doucement et approchez pas des nids. Donc il nous donne... Il y a plusieurs faisceaux où on peut... J'ai mangé tes carottes. Les recettes du poissonnier. Donc là c'était le port où on était tout à l'heure. Porte bloquée. C'est pas l'appartement dans lequel on était tout à l'heure, ça? Bon, on va essayer d'avancer un petit peu quand même, hein, parce que là... Attention avec cette épée. La grande garde risque de ne pas apprécier. Ok, merci du conseil. Je la range dans ma culotte. Ah, on peut utiliser la fontaine. Ça, c'est très satisfaisant, vous voyez. Moi, je me satisfais de pas grand-chose. Le mec, je lui pique son fil de cuivre au nez à la barbe, il voit rien du tout. Ces histoires avec le duc et la nouvelle impératrice, c'est pas bon pour les affaires. Ouais. C'est ce que disait ma grand-mère. Territoire hostile. Pourquoi tu me dis ça, territoire hostile de quoi?
Ouais, Kangoo, je suis assez d'accord avec toi là, le blink de l'impératrice, il est vraiment chouette. Sale rat. Je t'avais pourtant dit ce qui t'arriverait si tu me dénonçais. T'étais prévenu. Pitié, vous ne m'avez pas écouté. Pitié, c'est trop tard, Apollo. Tu sais ce qui va se passer maintenant? Non. Voilà comment on se débarrasse des mouchards. Bon, si on nous pose des questions, il s'est fait ça tout seul. Ouais, on n'a pas eu le temps de l'arrêter. Ça va se finir entre nous. Ah, sale petite merde! Inutile de courir. Dis donc toi! Oh là là, il y a des animes de finish là qui sont quand même vachement chouettes. Hein. Et non, pas porter. Fouiller, on a dit. Ah bah, on peut plus le fouiller, ça y est. Donc. Là, on peut pas y aller. Hein. Parce que par exemple, si on essaie d'y aller, on se retrouve en cendres. Et où est-ce qu'on arrête? Ouh là là, 100 pièces. Où est-ce qu'on arrête ce truc-là? C'était pratique ce qu'on avait avec Corvo la dernière fois parce que... On pouvait voir les éléments mécaniques, électriques au travers des murs. Alors ça, c'était chic. Là, j'ai un peu l'impression comme de repartir à zéro, mais c'est pas désagréable en fait. Parce qu'on réapprend les pouvoirs de l'impératrice, qui sont pas tout à fait les mêmes. Alors là, où est-ce qu'on va aller, du coup? Qu'est-ce qui est intéressant, là? On me dit d'aller par là, mais je peux pas parce qu'il y a la porte. Il faudrait rentrer dans un immeuble. Là, je peux pas, là, je peux pas. Ah, là-haut, il y a une fenêtre ouverte. Alors, il y a une fenêtre ouverte ici et ici. N'oubliez pas de manger, hein. C'est important de s'alimenter. Donc là, on va passer au-dessus du... 10 piastres. On va passer au-dessus du portail, donc c'est déjà ça. Hein. Mini puzzle... ma foi... Et donc là, on est... on va se poser là. C'est trop loin. Et vers le haut, il n'y a pas non plus. Et là, sur le tuyau, c'est trop loin aussi. Ah bah, crotte alors. Ok. Donc en fait, quand on tombe, on peut utiliser le grappin pour se téléporter. Eh, n'empêche qu'au niveau infiltration, là, depuis le début de ce tableau-là, j'ai pas fait trop de carnage. Où est-ce qu'on va? Je ne sais pas. C'est par où, mon truc? C'est là, à 59 mètres. Bon, là, il n'y a plus rien à faire à côté de la porte électrique. Qu'est-ce qu'il y a en haut de ces escaliers? Je suis toujours... Très curieux. Ah, quelqu'un m'a vu? Oui, quelqu'un m'a vu. Qu'est-ce qui est passé là-bas? Il y a une espèce de truc émanescent qui est... Je sais pas ce que c'est. Déroute et fait sur la cible. Fait fuir la cible. Ok, d'accord. Fausse alerte.
Comment ça, fausse alerte? Pourquoi je te mette une fausse alerte dans le... Encore des soldats de la Grande Garde. Le duc les a à sa botte. Ah, les PNJ sont en PLS là. Ils sont tous à la queue leu, ils savent pas quoi faire. Le level design du vomi, il est juste dingo quoi. Vraiment, Poké fait du jeu vidéo un petit peu. On peut récupérer les carreaux ou pas? Oh, regardez ce headshot. Oh, le double! No shit, Sherlock. Bon, allez, on va pas les faire attendre comme ça. Merde. Par le cul poilu de quoi? Aïe! Ah, dans la bouche ça fait. Je te supplie pas, je vais te couper le bras. Voilà, hop! Ah, c'était pas un soldat! Ah ouais, bah ici on pend haut et court. Voyons ce que vous savez faire. Je sais faire ça. Impossible. Et toi? Vous n'irez. Non. Je la laisse pas. Vous allez payer. Oh mais ça c'est des balles. Ça c'est des balles. Aïe 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 aïe. Je meurs et après je dis qu'est-ce qui s'est passé? Alors. Nous sommes tombés sur des méchants, qui sont un peu plus méchants que les autres. Donc on va utiliser une autre approche. Une autre approche qui sera essayer de les tuer, mais de loin. Pas les niveaux 1 des baddies là. Je crois que j'ai... On a utilisé trop de carreaux d'arbalète. Espèce de sale rat. Je t'avais pourtant dit ce qui t'arriverait. T'étais prévenu. Pitié, vous ne m'avez pas laissé le choix. Portail foudroyant, comme à l'époque de la peste. Et le mec que j'ai sauvé, il est où? Vous ne vous échapperez pas. Toi non plus, t'inquiète. Alors là, c'est pas le même endroit que tout à l'heure. Masque, voir, masque ou tout voir. Maintenir d'elle. Ça ne marche pas mon truc. On peut aller là-haut? Je reconnais la puanteur qui émane du grand vide. Cet endroit a quelque chose de corrompu. Lettre secrète à frère Harold. Ah, c'est des espèces de moines. De moines militaires. J'ai tellement dans l'état dans lequel je me trouve que nous avons discuté la semaine dernière. Vous avez bien fait de me prendre à part pour me prodiguer vos conseils. Une suite de quoi? Ah oui, une suite à Dishonored, évidemment. Vous avez vu que
le patron du studio historique d'Arkane était parti voguer sur d'autres aventures vidéoludiques. Il s'appelle Romuald et c'est vraiment quelqu'un de chic. Lettre de Mindy. J'aime beaucoup le tatouage dans ton dos. Elle a un tatouage. Ah non, on sait pas à qui elle parle. Où t'as trouvé le dessin d'origine? Tu veux en discuter? Viens au Crown's End à Poussierville et demande Mindy. Tu le regretteras pas. Je sais pas si Mindy c'est notre tasse de thé parce que nous on est quand même impératrice. Hein, on a un standing. Tout ça, ça a été looté déjà, ça. Voilà, 200 pièces. Aïe, 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 aïe. Oh ! Qu'est-ce qui nous arrive ? J'ai déjà vu des villes dépérir. Se putréfier. Ah oui, Mindy, j'ai déjà rencontré. Et toi aussi, il y a 15 ans à Dunwall. Oui. Elle te manque ? Cette année qui a forgé ta destinée. Je sais pas. Les rats dans les berceaux, la fumée noire émanant. Dinga, il est resté. Une ville entière qui se tord de douleur. Ça recommence. Bah, Dinga, Romuald, c'était un peu le. Bienvenue chez toi. Le duo d'Arkane. Et les gens comme toi font partie du décor ici. Équipez-vous du cœur. Non, ça c'est une grenade. Le cœur, il est là. Non ? Il est où, le cœur ? Ah, il est là. Mais ils ont tous changé, là. Festin d'égout. Des plumes à 10 balles. 40 mètres, 60 mètres. 145 mètres. Mais c'est pas très. En fait. C'est pas très. Ça va, 36 mètres. T'as l'étage au-dessus, ça. Ah, attendez, on va quand même prendre un truc un peu plus badass, quoi. Si on retombe sur des. Sur les mecs chelous avec des masques, là. C'est quoi? C'est un superviseur, ça s'appelle. Ok, d'accord. Des artefacts hérétiques. Hein? Non, non, non. Ok, donc on aurait pu passer par là tout à l'heure, hein, c'est ça? C'est ça que le jeu est en train de me dire avec ses mots à lui? Rien à looter ici, là. Bon, on va quand même ouvrir l'étau. C'est le mec qui se sont fait chier comme à animer un étau. Enfin, ils l'ont fait une fois, et puis après, ils l'ont dupliqué dans le jeu. On les connaît, les gars. Deux cartouches. C'est fermé ici. Est-ce qu'on peut passer? J'ai mal dormi cette nuit. Je devrais peut-être de cette nature pour le sommeil. Bon, ça c'était beaucoup plus simple que prévu. Nous on voulait là-bas, c'est à 60 mètres. Qu'est-ce qu'il dit Kangoo encore? Vous savez que Kangoo, je le connais. Est-ce que vous savez qu'on est parti en vacances avec Kangoo? Quoi? Maloir l'a annoncé hier, c'est ça? 6
Seized. Il a mis la pagaille partout. Et qui est-ce qui doit ranger tout ça? Moi, bien sûr. Comme toujours. Alors, où est-ce qu'on peut passer, là? On peut passer par le haut. Merde, comme un con, putain. Ok, donc là déjà on est un peu mieux, hein, on est un peu en hauteur. Oh, un truc en vert. Ça, à mon avis, ça se casse. Il y a un truc à mouche. Il se ferait pas chier de mettre un truc comme ça. S'il n'y avait rien à faire dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh, le petit rooftop sympa. Alors là, il y a des mouches à schmutz là. Carreau incendiaire. On en a plus! On n'en a plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des grenades. Spirale tranchante. Mine paralysante. Ça, c'est quoi? Des grenades agrippantes. Ça grippe à une cible. Ouais, je vais m'occuper du corps, Coco, mais avant... Mais je comprends pas, les oiseaux là, ils bouffent pas ces espèces d'insectes là? Ah, en plus c'était un leurre. On va mettre la taille des mouches. C'est plus gros qu'un colibri. Donc je sais absolument pas où on est, hein. Ou ce qu'on fait d'ailleurs. On est en roaming. Jardinière. Ok, super. Ça, là, les level designers, ils sont pas déplacés pour rien. Il y a un truc sur le toit aussi ou pas? Lance pas de grenade, Denis. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre là-dedans ou pas? Ouais, ce coin-là, il est vraiment très joli, ouais. Là, pour le coup, il y a des screenshots à faire partout, là. Ah. Ok. Donc ça, on peut pas y aller. C'est pas une trappe qu'on peut ouvrir, ça? Non. Bon, bah là, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Alors là, on va pouvoir s'infiltrer. Alors, attendez, parce que... Merde. Reviens au nid des mouches. Regarde, il y a un fond mauve à mon... Il y avait un charme, ok. Ok, d'accord. On va y aller en courant parce que... Et en sautant.
Il y avait un charme. Donc. Que... Ah bah oui, il y avait un charme. Étoile filante. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va regarder. Pas de charme d'os. Bah on va prendre les trois. Hein. Cocktail détonant. Les bouteilles explosives infligent des dégâts de zone encore plus étendus. Et festin d'égout. Ah merde, j'ai pas regardé. Festin d'égout. Vous récupérez du mana quand vous mangez des rats blancs. Étoile filante. La chute assassine restaure du mana. J'aimerais beaucoup faire un stream avec Sebum, figure-toi. Pour l'instant, on n'a pas, pas le droit encore. On n'a pas le droit encore. Mais bientôt. Ah, ça y en a 4. 4 runes. Ah non, on en a 6, oh lolo. Alors ça, vous me dites, ça c'est bien, c'est ça? Domino lie 2 cibles humaines. Quand ce pouvoir est actif, chaque action effectuée touche toutes les cibles liées. Par exemple, vous pouvez neutraliser rapidement plusieurs ennemis à la fois à l'aide d'un seul carreau anesthésiant pour réduire les risques d'alerte ou tuer un groupe d'ennemis d'un coup en combat si vous êtes en infériorité numérique. Salut jaune gros. Qu'est-ce qui a un peu pété? Ouais, Dieu vomit, je suis assez d'accord avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, je sais pas, ça m'inspire pas beaucoup, ça. Clone d'ombre, fait apparaître une ombre pour attirer les ennemis. Ça me semble plutôt frapper au coin du bon sens. Vision des ténèbres, vous voyez dans le noir à travers les murs. Ça c'est ce qu'on aimait. Domino, c'est pété. Adopter une forme furtive pendant une courte durée. Ben non, ça, on a déjà le saut, là. Bon, je vais vous faire confiance. On va prendre Domino. Je vois pas comment on peut utiliser le pouvoir Domino et une arbalète. Bon, je vous fais confiance, hein. Afficher l'initiation. Ouais, on va faire ça quand même. Ah! Alors, tu fais ton effet domino, après tu changes d'arme. Ok. Tu les lis en déplaçant. Ok, d'accord. Renforcer le pouvoir. Okay. Voulez-vous dépenser 4 runes? Oui. Alors, il nous reste 2 runes. Il y a un truc qu'on peut acheter pour 2 runes. Il y a les améliorations, peut-être. Force, c'est 3. Jouvence, augmente votre santé, votre résistance. Ça, c'est toujours pas mal. Réflexe, bloquer pour éviter les... bloquer pour dévier les projectiles. Et après, il y a un autre truc qui est... parade experte, augmente le délai accordé pour parer un coup. Ah ouais, un carreau de mort, ouais ça je... Le vision, je crois qu'on n'a pas assez de... Ah si. Ouais, c'est vrai que ça, c'est pas mal, notamment pour voir tout ce qui est portail électrique, où est-ce que sont les... Le truc d'agilité, c'est cool. Augmente la hauteur et la longueur de vos sauts. Et moi, ce que j'aimerais augmenter, c'est ça. Ah bah ça, on peut. Là, on peut attirer des objets où le temps ralentit brièvement quand vous visez avec longue portée en tombant. Et après, pour 4, il y a quoi? Il y a attirer des ennemis. Attirer les ennemis à vous et tuer-les ou neutraliser dans les airs. Non furtif. Je sais pas trop à quoi ça correspond, ça, attirer des objets. Attirer des objets à vous et attrapez-les ou écartez-vous pour les laisser continuer leur trajectoire. Les ressources attirées ainsi seront ajoutées automatiquement à votre inventaire. Les objets qui se portent doivent être saisis manuellement. Mais là, je comprends pas. Du coup, c'est deux pouvoirs différents.
On va prendre Vision des Ténèbres. On voit au travers des murs. Allez hop. Allez, comme ça on a plus de runes. On peut retourner bosser. Rune 64 mètres. Là-dedans, il n'y a rien, là. Mètres, 92 mètres. Oh là là, j'ai eu la mouche en plein vol, vous avez vu. Donc là, il faut que j'envoie une grenade incendiaire, c'est ça, sur le nid qui est là-bas. On va faire ça tout de suite, hein. Remonter après. Je sais pas ce que je vais faire là-dedans. Sincèrement, si vous savez que c'est une mauvaise idée, dites-le moi maintenant. Donc ça c'est... Bon là, il y a des mouches de sang là. Mais elles sont un free roaming, celles-là, elles appartiennent pas à un... Attends, Denis, fais pas le con avec ta... Qu'est-ce que j'étais me foutre là-dedans? Je suis sûr qu'il y a un nid sous mes pieds, là. Bah attendez, on peut voir au travers des murs. C'est quoi, c'est ça? Non, il y a juste des mouches et des cadavres. Non, on veut du... Comment est-ce qu'on enlève cette vue satanique là? Ah, ça y est. Merde! Il y a un nid. Et j'ai rien pour l'enflammer. Il me reste des grenades ou pas? Il me reste une grenade. Tu peux pas me voir, je suis fufu. Mais calme-toi deux secondes. De toute façon, si tu viens ici, je te tue. Je finirai bien par vous trouver. Ok. Je sais pas pourquoi tu me cherches, hein. Toi non plus, tu sais pas d'ailleurs. Bon, là, il y a un peu de loot. Pas des masses, mais... Label of City. Buy two oil cans, get one free. Bon bah finalement il n'y avait pas grand chose à faire ici, hein. Pas à dire mais... C'était pas complètement fifou. Comme on dit chez les jeunes. Ah, je pourrais aussi voir à quoi ça correspond. Ah oui, c'est 6. D'accord, ok. 6. 7, c'est quoi? C'est la chaîne. Et 8. Ok. Ça allait beaucoup plus vite comme ça. Ah oui, on peut repartir par là-haut. Eh, hey, dis donc, il est déjà 15h20. Bon, là-bas, on va pas descendre tout de suite. On va rentrer dans la maison, là, qui est en face. On va voir où ça nous mène.
Là, c'est fermé, là, c'est fermé. Par les fidèles pervertis de l'outsider. Là, c'est ouvert. Parfois, je me dis qu'il vaudrait mieux fabriquer les boîtes à musique dans chaque enclave. Ici, par exemple. On les assemble dans plusieurs endroits, à l'écart, et on... Par les sept canons. L'un des nôtres est à terre. Je vais lui redemander si c'est vraiment la voix qu'elle désire. J'espère simplement que l'outsider ne l'a pas déjà dévoyé. Ouais, c'était pas très malin là. J'ai manqué un peu d'à-propos là pour rentrer ici là. Bon, vous savez, moi, ce qui me caractérise, c'est la finesse. En plus, je suis rentré au milieu du bâtiment. Rien à looter ici. Bon, là, il y a un coffre-fort, mais je pense que... il file pas la combinaison. Cette canne. Je veux bien un café aussi, Dieu vomi, s'il te plaît. Où est-ce qu'ils ont bien pu planquer la combinaison? Ah bah regardez-moi ça. Où est-ce qu'ils ont pu planquer la combinaison de ce coffre? C'est pas là. Lettre envoyée au grand superviseur. Bah non, ça c'est ce qu'on vient de voir, ok, super. Traitement thermo... Ah oui, ça c'est des plans. Alors là, il nous faut... Le corps de cet hérétique est important, bien que je n'ai pas complètement compris pourquoi. Il faudra attendre l'arrivée du vice-superviseur Burn. Quand doit-il arriver? Je vais t'occuper, il enverra quelqu'un. Le superviseur Kindana, peut-être. En attendant, on ne bouge pas d'ici. Le cadavre de l'hérétique ne va pas attirer les mouches de sang, frère? Non, je l'ai déjà. Hein? Quelqu'un nous tire dessus! Ah! Et je récupère pas mes carreaux! Ah si! Un carreau. Ah bien, si je récupère... Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Il est là. C'est le corps que Mindy veut récupérer. Charme d'os corrompu. Rendez-vous secret. Retrouve-moi l'endroit habituel demain soir. Bah mais si tu sais pas où est l'endroit habituel, forcément... Corps sans vie. Ouais, mais je l'amène où du coup, moi? T'es Mimi, y a rien d'autre à looter ici. Bouteille de chloroforme. Denis, oublie pas ton cœur. C'est quoi le cœur? C'est le 3. Mais après, qu'est-ce que je vais faire avec ce corps sur le dos, là? Son Mimi. Bah... c'est de par là qu'on vient. Bon. Ah mais ça, on avait
On avait fait plein de vies déjà. D'après vous, je prends le corps là tout de suite ou Merde, j'ai trop d'élixir. Précepte choisi des superviseurs. Soda à la poire de Padilla. Ok. Et là, genre, il me propose... Parce qu'après, avec un corps, on peut plus rien faire. On peut plus utiliser ses... Silent Horn, t'as raison. Ah, j'ai quand même l'arbalète. Enfin, j'ai quand même un pouvoir. Donc, par exemple, je peux me déplacer en blink avec un corps ou pas? Yes. Vers la gare. Où est-ce qu'on a rendez-vous? C'est pas du tout vers la gare qu'on a rendez-vous aussi? Parce que là, il me dit pas. Hein. Il me dit pas où... Il me dit juste aller vers la gare. Aller vers la gare, c'est là-bas. Donc ça déjà, c'est pas mal. Merde. Là, ça marche pas. C'est trop loin, ça, déjà? Est-ce que tu as un losange en pointillé? Ne sommes-nous pas frères? Oui. Oui, en bas, il est là. 41 mètres. Qu'est-ce qu'elle fout, Mindy Blanchard, bordel? Faut que je redescende par l'escalier? Attendez, faut que je m'équipe d'autre chose, là. Voilà. Trois carreaux. J'arrive, Mindy. J'arrive. Faut descendre encore. J'arrive. Je vais rencontrer des baddies, hein, parce que j'ai pas nettoyé en bas. Là, c'est sûr, ça va me tomber dessus. Alors, attends, c'est quoi l'œil? C'est le 8? Ouais. Bon, elle est là à 30 mètres. Et j'y suis pas du tout, moi. On s'en fout, ça. Où est-ce qu'on est, là? Et là, si je sors, ils vont... Je vais me faire étriper, là. C'est quoi, c'est un KGB, ça? C'est quoi? C'est pas... Mindy et demi? Ok, super, c'est les toilettes. Génial, bon, on va tirer la chasse. Ah. Ok, super, il n'y a rien là-dedans. Et si je passe par là, je vais me faire étriper. Elle est où, Mindy? Elle est là, à 39 mètres.
Quelqu'un sait s'il y a un passage ou un truc comme ça? Où est-ce que je fais un F5, F9? Ennuis par là-bas. Quelqu'un est mal en point. Envoyez de l'aide. Quoi ? Montrez-vous ! Ah, mais merde ! Ils sont des trucs en... C'est la fin, incroyable ! Qu'est-ce que c'est ? Eh oh ! Je ne veux pas mourir ! Avec ma chance, je parie que c'est ce sadique de tueur de la cour. Que s'est-il passé ici ? Ah, crotte ! Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai plus de carreaux. Qu'est-ce qui se passe ici? Merde, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, c'est un peu le chaos total, les mecs ont dit cagoule en fer, etc. Et ils te disent qu'est-ce qui se passe ici? La puanteur de l'ennemi. Les soldats de la grande garde. Le duc les a à sa botte. Voilà. Comment ça, je suis toujours au cœur? Est-ce que j'ai toujours du cœur? Bah oui, alors c'est lui qu'il faut que je prenne. Denis, t'as plus de d'arbalète. Tu prends quoi? Tu prends le longue portée pour pouvoir... Elle est où? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Non. Hein? Que, quoi? C'est impossible! Allez, allez! Dépêchez-vous! Ah! Vous l'avez? Déposez-le dans ce trou. Ah bah super! Tout ça pour ça. Je ne vous demanderai pas de détails. Comment j'entre dans la dernière? La plomberie n'est pas modélisée, comment ça? J'ai envoyé l'un de mes gars couper l'électricité qui alimente les rails. Quand ce sera fait, vous pourrez suivre la voie ferrée à pied jusqu'à votre destination. De l'autre côté. Dis donc, tu portes pas beaucoup de. Tu portes pas beaucoup de terre avec ta pelle. Merci de votre aide. Ah, quand j'ai regardé sous l'évier, effectivement, ouais. c'est pas le plombier's delight. Mais dis donc. Alors, carcophonie, ça y a de la pub partout, hein. À croire que les mecs, l'hygiène dentaire, elle était pas top top. C'est quoi ces trucs là? Ah putain, c'est une chaudière. Et chez Miss Monde, là, y a rien à récupérer, là. Même pas un petit loot, un petit... Alors, il y avait un schmutz avec la voie ferrée, comme quoi... La voie ferrée, c'était notre ami, parce que... Ce soir, on joue au dé. Ah bah dis donc, pourquoi ça veut pas là? Ah là ça veut. Où est-ce que je suis rendu là? Ah là. Donc on nous dit... Plus de courant. Ah, plus de courant. Donc je peux aller... Est-ce que personne n'approchait? Même pas ceux qui ont besoin de soins urgents.
Ils ne pourront pas nous refouler si nous leur disons que nous venons de la part de Lucia Pastor et du comité familial des mineurs. Des centaines d'hommes comptent sur nous. Des centaines d'enfants s'affaiblissent un peu plus chaque jour. Notre bon docteur leur a toujours consacré de son temps. C'est vrai. Je me demande si ça lui a pas causé des problèmes. Si nous perdons le soutien d'Hypatia, nous serons seuls contre tous. Ah. Je me suis fait piquer par une mouche de sang une fois. Mon bras a gonflé comme une baudruche. Hé ! Attention ! Devrions-nous nommer votre neveu comme directeur ? J'espère que ce voyou masqué. La garde à Dermir. Voilà qui devrait mener l'institut. Presque personne. Si vous voulez de l'action, je... Elle est où la garde ? Faut que je suive les voies ferrées, là ? Poster des gardes à cet endroit. L'Institut Adermir a une valeur stratégique pour la garde rapprochée du duc. On ne m'a rien dit de plus. Vous savez ce que c'est? Oui, on se contente d'obéir aux ordres. Je comprends. Mais c'est quand même étrange. L'Institut, il n'y a pas plus calme. Ouais. Alors, il y a des portails électriques. Ça m'a l'air d'être un beau merdier, ce truc-là. Bon, moi, je dis déjà, on leur saute dessus. Et on leur fait leur compte. À moins que, on peut rentrer par là, discretos. Sans alerter. On peut se mettre dans un petit coin, là. J'ai bien fermé mon casier avant de partir. La dernière fois, j'ai trouvé une mixine dans la poche de ma veste. On dirait la gare Saint-Lazare. Il y a un mec là-bas qui va... J'espère que c'est rien de grave. C'est peut-être rien du tout. C'est rien du tout, t'inquiète pas, ça va te tomber sur le coin de la gueule. Tu vas voir. Faut que je retourne à Dunwall. Dès que j'entends dire qu'il se passe quelque chose, j'ai du mal à me détendre. Bon, là, il y a le portail, façon, qu'on est niqué. Attends, je suis morte? Comment? Eh, je l'ai surpris, je l'ai tapé. Impossible. Impossible. Salut, je Tuels. Le duc y va fort avec la populace. Voilà, ah, il fait moins le malin. C'est le gros de scène, dans les déconnes. C'est un repère de l'horreur. Il suffit de s'habiller en civil. Leur whisky est bon. Ils sont même du Dunwall. Ah, j'en suis. Fais-moi signe quand il retourne. Allez hop! Piasse. Là, il n'y a pas d'autres trucs, là, des cartouches. Je suis au max. Ah, des grenades. Ça, c'est bien, les grenades. Surtout pour nos nouveaux amis, là, les mouches, je sais pas quoi, là. Allez, hop. Un petit passage au resto. Ça, c'est pour faire pipi. Tac, tac, tac. Ah, est-ce que... Ah, j'ai pas d'outils de câblage. Mais oui, je suis une femme. Quand on n'a pas d'outils de câblage, on fait comment? Réservoir d'huile. Ah bah attends. Ah voilà. Par exemple, on retire le réservoir d'huile. Alors là, on va le poser délicatement, parce qu'on veut pas qu'il explose. Est-ce qu'on veut pas qu'il explose? Est-ce qu'on veut pas le prendre quand même pour foutre le dawa une fois qu'on aura passé le portail? Qu'est-ce que c'est?
Ah bah là, on a bien foutu le dawa, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu ça? L'un des nôtres est à terre. Vous n'irez nulle part. Si vous aussi. Toi, t'as plus de bras, t'as plus de tête. Toi, t'as... Elle est morte. Pendant qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus. Ah bah crotte, on se retrouve ici. Si j'avais su, bah je vais sauvegarder la prochaine fois. Ça nous évitera de faire J'en pousserai volontiers un ou deux là-dedans. Les coccinelles, c'est le Grand Sand. Non mais tu déconnes, c'est un repère de hurleurs. Ah, il suffit de s'habiller en civil. Leur whisky est bon. Ils ont même du tonneau. Ah, j'en suis. Fais-moi signe quand il retourne. Ah, je suis pas passé par là tout à l'heure. Ah ouais, parce que là, il y a les deux ozos là qu'il faut aller oxyre. Par où je suis passé, du coup? Ah bah par là, je suis bête. Mais tu sais quoi? La tante Belinda a déménagé pour Old Lang Pro. Elle qui passait son temps à picoler et à jouer de la mandoline. T'as pas peur qu'elle crève d'ennui? Ah, Old Lang Pro, c'est petit, mais il y a des choses à faire le soir. Une musicienne de Karnaka aura surpris. Commence à avoir du mal à respirer ici. Alors. Je sais absolument pas ce qu'il faut faire là-bas. Faut aller à la voiture. Ah, moi je suis tout en fufu là, t'as vu? Je récupère mes carreaux d'arbalète. Parce que bon, c'est pas que c'est cher, mais c'est rare. Attends, aller à la voiture, ça s'arrête là? Il me dit, moi je me dis, il va me tomber un truc sur le coin du nez quand même. Ah voilà, je suis dans la voiture. Ah non. Alors ça quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec la voiture maintenant? Ah. Je vais déclencher l'anime. Oh, c'est un peu comme à Disneyland. Aller à l'institut, rester à Karnaka. On va aller à l'institut. Ça va être un peu notre champ du... Ça va être un peu du champ du signe du stream d'aujourd'hui. Hein. Il nous reste 10 minutes. Donc on va voir, on va un peu explorer machin. Mission accomplie. Alors déjà, on est plus en furtivité, hein, vous avez vu? Parce que là, on est à mi-chemin entre furtivité et assaut. Bon, après, létal, non létal, c'est un choix, d'accord? C'est un choix éditorial. Et ils me disent pas, ah si, ils me disent... Alors, rune 6 sur 10, pas terrible.
Hôtel de l'Outsider, 2 sur 2, pas mal. 4 sur 6 en charme 2, c'est pas mal. Alors, en revanche, 615 pièces sur 3000. On a des progrès à faire sur les pièces. Hein. Tableau 1 sur 4, c'est con, c'est ce qui paye le plus. Schéma 1 sur 2, c'est con, c'est ce qui nous permet d'avoir des améliorations. Vous avez trouvé la clé de la boutique clandestine. Vous avez volé un cadavre. Vous avez éliminé le gardien de nid. Ah, le gardien de nid, c'est pas mal ça. Vous avez empêché le marchand de se faire incinérer par le portail foudroyant. Ah, ça c'est plutôt pas mal, non? On n'est pas récompensé pour ça. Sous-équipé et sans pouvoir. Ah non, Jolas ne me dit pas ça. Hein. Éliminer le tueur de la couronne. Mais voyez, alors on me dit, faut pas tuer. Mission, éliminer le tueur de la couronne. Bah. En plus, on va retrouver Sokolov. Putain, déjà, il était vieux il y a 15 ans, mais alors là, il va être super vieux. Éliminer n'est pas tuer. Ah ouais? Tu fais comment pour éliminer quelqu'un sans le tuer? À Dermir, l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses. Oh, c'est joli, hein? Alexandria Hypatia, alchimiste en chef. C'est un ancien solarium pour aristocrates capricieux. Faut pas tuer, sauf quand il faut tuer. Il a été reconverti en laboratoire de recherche alchimique. Le tueur de la couronne sème la mort en mon nom, mais plus pour longtemps. On dit que le docteur Hypatia est brillante. Mais si elle est impliquée dans cette affaire, elle paiera pour ses crimes. Eh ben voilà. Ça s'appelle le karma. Et nous, on est... un provider de karma. Attention, un karma dans ta gueule. Pan. Est-ce que tu tues quelqu'un si tu le jettes dans le vide? Ça, c'est une bonne question, ça. Le karma d'arbalète. En tout cas, c'est chic, leur petit métro, là. Ça en est plein. On sera jeté en prison si on parle à quelqu'un? J'ai pas compris. On va essayer de pas passer par là où ils veulent qu'on passe. On va faire le tour. Ah bah crotte, il y a un escalier aussi ici. On peut monter là-haut là avec des... J'ai l'impression quand même que le saut de l'impératrice, il est quand même vachement moins... Il va vachement moins loin. On dirait qu'il recommence l'entretien du relais. On va voir. Crotte. Non. À mon avis, ils veulent simplement s'assurer que tout est en ordre. Personne passe plus par ici. Mais le duc peut à tout moment envoyer quelqu'un fureter ici. Étrange, cette obsession. On peut passer par le haut ou pas, là? Aidez-moi. Bon, là, il n'y a pas de passage, hein. Là, c'est trop haut. Est-ce que là, on peut se mettre sur cette petite passerelle? Ah, là-haut. Là-haut, ça rentre. Crotte, on voit pas la passerelle. Ah si, c'est là. Cette histoire me donne des insomnies. Qu'est-ce qui se passe ici? On peut passer. Ok, là il y a un garde. Et là il va m'entendre si je saute sur le machin. Je sais pas, c'est pas très fufu ça. Complètement fufu. Chut.
Alors là-bas, portail électrique, un, deux gardes. Là-bas, c'est pas du tout rangé leur truc. Hein. Bon, là, il y avait un garde qui est parti. Il est parti où? De la bonne gelée d'anguille. Ok, d'accord, les mecs, ils ont tout pété, les coffres et les machins, là. Garde sans vie, évidemment, on l'a tué. Y a rien à looter, ici. Cartouche. On est au max. Et là, qu'est-ce qu'il y avait, ici? Apparemment, pas grand-chose. Hein. Là, il y a un coffre ouvert. S'ils ont déboîté les coffres, c'est qu'il n'y a plus rien dedans. Bah oui. Perso. Alors planquer les corps c'est super long. Bien. Ah bah des carreaux d'arbalète dis donc. Alors depuis tout à l'heure on me dit équipe-toi de ton cœur. Non. Non. Alors, attendez ça. Si je me mets en fufu et que je relie les deux personnes qui sont là. Il pourrait pas se passer quelque chose. Je demande pas un cirque, mais juste un peu d'animation de temps en temps. J'ai les nerfs en plot. Il se passe quelque chose d'inquiétant. Dès que j'ai fini, je fonce droit au plot. Je suis trop loin, c'est ça? Pauvre chaussette de merde. Bon, on va y aller, hein. Ah bah je suis morte. Je suis morte à 15h59. Mais ça c'était à prévoir. Je rentre là-dedans comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Non mais je vois mieux en fait ce passage. Il va falloir faire du fufu, passer en haut, tac tac tac. Mais ça sera pour la semaine prochaine, figurez-vous, parce que il faut que je retourne travailler. Puis en plus, il faut que j'aille faire des courses, il y a des gens qui viennent à la maison, comme d'hab. Donc voilà, l'emploi du temps, là, il va faire crac crac crac. C'est l'heure du goûter. Si notre amie Lucille était parmi nous, elle dirait, vous avez prévu votre goûter? Parce qu'elle prend des goûters tous les jours. Et puis le jour où elle n'a pas son goûter, ouah, internet s'enflamme. Bah oui, Skadi 8. On dit bonjour, au revoir, du coup, puisqu'il est 16h. Et Oscar, je te jure que si j'avais pas 2 heures de stream par semaine et que je prendrais des heures et des heures, je ferais ça aux petits oignons, je planquerais les cadavres, je refermerais les portes derrière moi. Parce que c'est un peu comme ça que ce jeu il a été conçu par les experts d'Arkane. Dernière chose avant de y aller, donc pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, 3 produits en plus dans la boutique, le jeu de Pins à partir de cet après-midi, si c'est pas encore là, essayez demain matin, voilà, donc ça c'est un des 6 pins du lot. Il y a des photos hein, sur la boutique, vous allez voir, mais ça c'est juste pour vous donner une idée en vrai. Voilà, donc ils sont en métal, brillants, c'est super. Depuis que je porte ces badges, j'ai plus d'amis,
et mon poil est plus soyeux. Également dans la boutique, la tasse Kirker à partir de cet après-midi. Ouh! Idée cadeau de Noël. Et la tasse en fer, absolument pas pratique parce qu'elle passe pas au micro-ondes, elle passe pas au lave-vaisselle. Et en plus, quand vous mettez un truc chaud, bah elle est toute chaude parce que c'est du métal. Mais il y a marqué Pro Gamer dessus! Idée cadeau de Noël. Et je pense que assez vite, puisqu'on a eu la discussion aujourd'hui, assez vite, il va y avoir une tasse pro-gameuse. Parce qu'on est comme ça, nous, chez Canard PC. On sait très bien qu'il y a des filles qui jouent. D'ailleurs, nous-mêmes, on joue avec des filles de temps en temps. Et puis, on a le droit d'avoir une tasse pro-gameuse, même si on est un pro-gamer. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de choses chouettes pour cette semaine. Si vous roulez en ville à vélo, arrêtez-vous au feu rouge. Ce matin, véridique, une nana traverse, elle s'est fait écharper par un scooter. Ça m'arrive au moins une fois par semaine. C'est dramatique parce que je crois que la meuf, elle voulait gagner 30 secondes sur son itinéraire. Et je pense qu'elle a perdu la matinée. Elle avait tout cassé son vélo, elle avait son collant déchiré. Et je pouvais pas faire autrement que d'être désolé pour elle. Tomil, merci d'avoir pris un abonnement. Merci. Et merci à Emma aussi, Emma21, qui vient de nous suivre. Merci à tous pour votre soutien, pour votre présence. Ça fait toujours rudement chaud au cœur. Twan, gros bisous. Et à tout le monde, gros bisous aussi. Petite extro. Alors attendez les gars, on fait un raid ou pas? Enfin les gars et les filles. Il y a un raid à faire ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît, des gens sympathiques? Ah oui, des poussous, Pascal Brutal, des poussous. Tac tac tac, Canard PC, ça c'est nous. Chaîne recommandée. Bon, j'ai pas un seul ami qui stream à l'heure actuelle. Voilà. Donc, désolé, à moins que vous en ayez un sous le coude. Toi t'as personne, Dieu vomit. Et bah, si Dieu vomit, y a personne et que moi j'ai personne, et bah tant pis. Frérot, frérot, non, mais ça, attendez. Alors, ça, hop, je le mets entre guillemets avec tous les copyrights de la Terre, Agbou, si tu nous regardes, un poussou, frérot. Je vous dis à mercredi, pas à mercredi, Denis, à mardi prochain, et j'ai drôlement hâte, parce que ce jeu, je suis saucé, quoi, carrément. Je vous fais une petite, la petite boucle d'extro, et puis après, ça sera terminé, jusqu'à ce soir, il y a l'apéro de Jules. L'apéro de Jules avec Dieu vomi va m'aider. Je ne sais pas qui il invite aujourd'hui. Il invite qui? Il invite... Oui, il y a ça, dit Dieu vomi. Incroyable Jules, dit Chino. Oui, Jules, incroyable. J'ai pas retenu son invité. Ah mais si, je suis con, je l'ai dans notre agenda. Oui, mais là, mon agenda, il est en décembre, alors ça va pas le faire. Voilà. Avec Feldup. Ah bah oui, voilà, Chino avait dégainé en proms. L'invité Feldup, ce soir, 20h, l'invité de Jules, sur nos antennes, dans le studio principal de la Canard PC International Corporation, à Montargis Sud. Gros bisous à tous, et soyez prudents, et je vous embrasse, et je vous dis à mardi.